Aujourd'hui à RPM, le BMW X5 X-Drive 50E 2024. Samuel, milieu de vie pour cette quatrième génération du BMW X5. Oui. Et on transforme les extrémités un peu. Ouais, ben effectivement, comme partout dans l'industrie, on modifie un peu la devanture, un peu l'arrière du véhicule. Ici, ça se remarque surtout avec des phares qui sont plus minces que ce qu'on avait auparavant. Les phares Adèle, évidemment, avec une nouvelle signature visuelle, deux crochets dans chaque phare. Et là, ça, c'est directionnel, le forfait au complet. Non, là, ce sont les phares qu'on pourrait dire de base, mais on peut avoir des phares adaptatifs. Toujours Adèle qui vont suivre la direction du véhicule au coût de 500 $. Somme toute raisonnable. Ce qui est raisonnable, effectivement, pour améliorer la qualité de l'éclairage. Oui. Autre modification, grille de calandre qui est plus grosse qu'elle était auparavant. Ici, bien sûr, c'est la grille réniforme qu'on appelle. Mais sérieux, là, le bling-bling de lumière là-dedans, c'est épouvantablement cucu. C'est une option à 500 $ qui fait partie aussi de certains autres groupes d'options. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'aimez pas l'éclairage, vous pouvez l'éteindre depuis l'intérieur du véhicule. Et l'autre bonne nouvelle, prenez le 500 $ puis mettez-le, c'est fort à la place. Peut-être que c'est plus pertinent, effectivement. Partie inférieure aussi du pare-choc qui est entièrement revisité. Oui, bien, effectivement, on a modifié le tout en 2024. Donc, un pare-choc qui est ici dans la version M-Sport, donc un peu plus sportif en apparence. Bon, des ouvertures de chaque côté, grosse ouverture, mais une plaque noire qu'on comprend pas trop qu'est-ce qu'il y a fait là. C'est vraiment là. C'est plutôt disgracieux, effectivement. Ça aurait été plus beau si ça avait été de la couleur de la carrosserie, qu'on aurait concentré ces éléments-là de chaque côté en noir lustré. Ça aurait découpé un peu mieux l'avant du véhicule. Heureusement, on a une autre version plus classique, plus traditionnelle, peut-être même un peu plus orientée vers le hors-route, qui est, selon nous, beaucoup plus réussie esthétiquement. Vous allez sauver 2500 $ si vous optez pour la version X-Line, parce que vous allez vous sauver du groupe M-Sport. Mm. À ce moment-là, vous allez avoir des tours de roues de couleur contrastante en plastique noir et aussi une applique lustrée à l'avant qui découpe le pare-choc, qui est beaucoup mieux réussi qu'ici. Oui. Mais si vous voulez avoir une apparence encore plus sportive, vous pouvez aussi opter pour le groupe M Sport Pro, qui à ce moment-là enlève tout le chrome ou en tout cas l'aluminium satiné sur la carrosserie pour mettre du noir partout. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence la version M, qui est vraiment de haute performance, qui a un carénage à l'avant qui est complètement différent. Oui, et bien sûr, il y a des choix de couleurs. Il y en a qui sont optionnels au coût de jusqu'à 6000 $. Donc vraiment, il y a des choix pour tout le monde, finalement. Le design chez BMW est résolument moderne, mais on a quand même un aspect traditionnel que moi m'attire beaucoup. C'est le fameux coup de fouet Hofmeister qu'on a sur les BMW depuis les années 50 jusqu'à 1970. Et c'est revenu au fil du temps, notamment sur les VUS. J'aime beaucoup ça. Oui, bien effectivement, c'est à l'arrière de la ceinture de fenestration, si on veut. Et quand on regarde de façon générale les proportions du véhicule, c'est très proche de ce qu'on connaît du X5 depuis le début des années 2000. Oui. Vraiment des proportions qui ont été préservées. C'est une bonne chose parce qu'on le reconnaît instantanément. Oui. Ça dégage une bonne surface vitrée également. Tout un à long fait. Capot, c'est réussi comme proportion. Ouais. Quelque chose qui est peut-être un peu moins réussi, c'est le design des roues que nous avons. Oui, des roues de 21 pouces qui sont optionnelles. Bon, on les aime ou on les aime pas, mais bonne nouvelle, c'est qu'il y a 6 options de jantes pour la version hybride rechargeable. Mais pour les autres versions, on a jusqu'à 10 options de jantes. Donc, on a quand même des possibilités de personnalisation de ce côté-là. Ça, c'est typique des Allemands d'avoir du choix et du choix. Tant que tu payes, il y a du choix. À l'arrière, modification plus sobre. Ben oui. On a refait la structure interne des feux. Oui, oui, oui. Je trouve ça intéressant, le X en Dell. Je trouve ça beau. Bien, la forme des feux demeure la même que ce qu'on avait précédemment, mais on a vraiment retravaillé l'intérieur. Mm. Formule en X qui reprend en quelque sorte ce qu'on a à l'avant dans les phares, si on veut. Et c'est une ligne que BMW va adopter de plus en plus dans ses VUS. Moi, je suis pas certain d'aimer ça, mais disons que ça demeure quand même un détail dans l'arrière du véhicule. Ce qui m'accroche encore plus, c'est le bas du pare-choc, qui est vraiment très massif, avec des beaux embouts chromés. Seul chrome sur le véhicule, d'ailleurs. Qui n'ont pas leur place vraiment sur une version M-Sport en plus. Ouais. On se demande vraiment pourquoi ça a été intégré là, ça n'a pas rapport. Ouais. Et autre chose qui pourrait être mieux intégrée, la tâche remorque qui n'est pas dissimulée. Oui, parce que quand on regarde d'autres véhicules comme un Jeep Grand Cherokee ou même des véhicules américains chez Cadillac, par exemple, on va avoir une plaque qui va carrément recouvrir la tâche remorque et on n'a pas ça ici, c'est exposé. Ouais, ça serait plus beau, plus fini. Ben oui, ça serait plus fini. Parlant de finition, Sam, assemblage et peinture. Oui, bien, c'est ça. L'assemblage des différents matériaux, plastique, acier, aluminium, c'est droit, c'est bien fait. Mm-hmm. Qualité de la peinture, c'est bon. Épaisseur, dans la moyenne.
De prendre place à bord du BMW X5, c'est inhabituellement complexe pour une raison. Le seuil de porte est vraiment très large. On ne devrait pas avoir de difficulté à monter à bord d'un VUS intermédiaire. Et malheureusement, ici, c'est difficile. Faudrait que ce soit corrigé. Sièges qui sont qualifiés de sièges sport, donc avec un bon support pour le dos, pour les jambes. Assise également qui peut s'allonger. On peut ajuster aussi le cintrage du support lombaire. À mémoire du côté conducteur, ils sont chauffant. Pour avoir les sièges climatisés, il faut payer. Permet d'avoir quand même une bonne visibilité vers l'extérieur. Ça, j'aime ça. Et le X5 est reconnu pour ça depuis nombre d'années à cause de sa fenestration qui est vraiment grande et s'est conservé avec cette quatrième génération. Vers l'avant, ça va, malgré le fait qu'on a un pilier A qui est large à la base, un rétroviseur qui prend beaucoup de place. Et pour ce qui est du pilier D à l'arrière, il est large, c'est vrai, mais ça ne nuit pas quand même trop à la visibilité. On a quand même une bonne note de ce côté-là. Volant maintenant qui est présenté à la façon sportive M, si on veut, c'est inclus dans le groupe M Sport. On voit d'ailleurs le logo M dans le bas. Un volant qui est commun avec d'autres modèles chez BMW, des commandes qui sont bien placées, faciles à manipuler, faciles à comprendre, mais à l'apparence plutôt bon marché. Encore une fois, avec un prix de 100 000 $ on aurait pu arriver avec des commandes un peu plus recherchées. Mais au moins, on a des lignes ici lumineuses qui sont très voyantes, qui vont permettre de comprendre le fonctionnement du système de conduite autonome. Donc ça, c'est réussi au moins de ce côté-là. Instrumentation, on est à 12,3 pouces entièrement numérique avec possibilité de personnalisation. Les couleurs vont changer en fonction des modes de conduite également. On peut avoir la carte qui est bien présenté ici. On peut avoir également une image retransmise par la caméra qui est située devant le véhicule qui va permettre de superposer des instructions de navigation en formule réalité augmentée. C'est réussi, ça fonctionne bien, la qualité graphique, elle est vraiment bonne. Affichage tête haute maintenant de bonne dimension, également personnalisable. On modifie le tout avec les commandes qui sont situées sur le volant. C'est bien présenté. Au centre maintenant, là, on a tout un spectacle avec un écran de 14,9 pouces avec le système iDrive 8. Excellente qualité graphique. Vraiment, c'est réussi de ce côté-là. L'interface est belle également, des couleurs qui sont réussies. Moi, je trouve que c'est un peu chargé, là, par contre, parce qu'on a des rectangles qui sont à peu près tous pareils. Et quand on tombe dans différents menus, comme la climatisation, par exemple, toutes les commandes sont identiques. Et quand on conduit, je vous le dis, c'est pas évident de trouver qu'est-ce qu'on veut modifier. Donc, un peu de simplification, ce serait bienvenu pour ce système qui, autrement, fonctionne quand même assez bien. Un peu plus bas, des bouches de ventilation qui sont maintenant dissimulées derrière une applique de plastique qui est plutôt manquée dans son apparence, surtout côté passager, où on a le logo X5 avec une espèce de flèche rotative. C'est assez disgracieux comme apparence. Et un peu plus bas, on avait auparavant des commandes de climatisation ici qui ont été simplifiées parce qu'intégrées dans le système d'infodivertissement, mais on a quand même conservé quelques boutons qui sont peut-être un peu plus critiques dans le fonctionnement du véhicule. Console maintenant. On a un peu d'espace de rangement ici avec un chargeur par induction. Porte-gobelet chauffant et climatisé. Ça, ça fait partie d'un groupe d'options à 5000 $ Et quand on recule un peu, on a beaucoup de boutons qui vont permettre du côté gauche de gérer les modes de conduite, la transmission au centre et du côté droit, la molette qui permet de contrôler le système d'infodivertissement. Mais honnêtement, elle est carrément inutile parce que le système est bien placé et facile d'accès directement dans l'écran. Accoudoir central maintenant qui est chauffant, un peu d'espace de rangement dans les portières également, coffre à gants, mais disons que dans la console, c'est assez limité comme espace de rangement. Présentation globale, on a un tableau de bord qui est bas, qui donne une sensation de dégagement, combiné à la fenestration qui est haute, ça donne vraiment un bon sentiment à bord du véhicule. Et là, vous remarquez, on a un intérieur brun. C'est réussi de ce côté-là. Mais si vous n'aimez pas le brun, il y a d'autres choix. Il y a du caramel, du noir, du gris très pâle. Vraiment, il y a beaucoup d'options. Même chose pour les appliquer sur le tableau de bord. Et ça, c'est carrément une force du produit. Même chose pour ce qui est de la qualité de la finition et de l'assemblage. C'est réussi. Tout comme pour Sam, à l'avant, prendre place à bord, à l'arrière, c'est ordinaire avec le X5. Pour deux raisons. L'angle d'ouverture de la porte est assez limité et à cela, ajouter que la porte est épaisse, donc elle vient bouffer de l'espace supplémentaire. Je vous garantis qu'un siège pour enfant ici, ça sera pas facile. Les sièges, maintenant, le confort est somme toute assez relatif. Il y a à peu près aucun support au niveau du dos. Même chose pour ce qui est des jambes. Et à cela, ajouter que le dossier est fixe, ce qui est carrément inacceptable pour un véhicule dans cette catégorie. Par contre, au niveau des dégagements, c'est correct, mais si vous faites la comparaison avec d'autres véhicules dans le segment, vous allez découvrir assez rapidement que vous pouvez en avoir pas mal plus ailleurs.
Au niveau des accessoires, quand même, là, c'est généreux. On est du côté de chez BMW. Bus d'aération, siège chauffant, prise, évidemment, pour la recharge des téléphones. On a également des rideaux latéraux et une très belle luminosité à bord grâce à ce gigantesque toit panoramique. En matière de visibilité, bien, Sam a déjà statué que la fenestration est haute. C'est toujours le cas à l'arrière. Mais il y a le petit poteau ici qui est un peu tannant parce qu'on l'a toujours dans notre angle mort. Au coffre, maintenant, on y a accès avec un hayon qui s'ouvre en deux sections. Il y a la partie supérieure et la partie inférieure. Je n'aime pas ça parce qu'on s'éloigne du coffre. Donc, si on veut y déposer des objets, c'est plus difficile. Et à cela, ajouter que vous avez plus de chances de vous salir. En matière de volume, on est à 960 litres avec le dossier en position. Si vous le rabaissez à la méthode 40-20-40, là, vous passez à 2047 litres, ce qui est au-dessus de la moyenne du segment. Comme Michael vient de nous le dire, il y a plusieurs modifications qui ont été apportées sous le capot du BMW X5 50e. Oui, effectivement. Plus de puissance, plus de couple, une mécanique qui a été retravaillée pour améliorer son rendement. Ben oui. Allons découvrir si ça fonctionne. Ben oui. On a une multitude de modes de conduite électrique, hybride, préservation de la batterie, mais le mode sport également est disponible. C'est le mode que j'utilise. Oui. Je place la transmission en mode sport également. Donc, les deux motorisations, électrique et thermique, vont travailler de concert pour faire avancer le véhicule. Là, on entend le moteur thermique est déjà démarré, donc prêt à faire feu. Oui. On y va. Oui. Électrique dès le départ, mais le moteur thermique entre en fonction. Changement de rapport assez saccadé. C'est épouvantable, les changements de transmission là-dedans. C'est le mode sport qui fait ça, parce qu'en mode normal, ça fait pas cette sensation-là du tout. On veut vraiment maximiser la performance de la transmission. En fait, ils veulent pas que tu te mettes en mode sport pour gérer ça comme ça. Je sais pas si c'est ça le truc, mais en tout cas. C'est vrai que c'est très, très saccadé. Par contre, la motorisation, ça pousse. Là. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de puissance. Ce que je déplore, c'est le délai, parce que j'ai mis le pied au plancher, ça a pris une bonne seconde avant que ça décolle. On a comme senti un petit mouvement, puis on peut... il pesait pour vrai. Exactement. Là, donc, il y a vraiment un délai dans l'activation de la mécanique. Ça, c'est vraiment tannant en conduite quotidienne. Ouais. On a également constaté un soulèvement de l'avant du véhicule. On a des suspensions pneumatiques et beaucoup de puissance. Donc, évidemment, ça lève. Le temps, BMW annonce 4,8 secondes. On a fait 4,8 secondes. Bon, ben, donc, on respecte les prétentions du constructeur. Considérant le poids du véhicule, 4,8, c'est respectable. Oui, on est à plus de 2500 kilos quand même. Comme poids de véhicule, c'est énorme. Et on a fait le test également en mode purement électrique. Ça nous a pris 9,9 secondes pour atteindre 100 km/h. Quand même correct. Ouais. La réputation de BMW est grande en matière de performance, de freinage, d'accélération et tout ça. Mais là, on teste le 100-0. Oui. Ça a besoin de marcher malgré le poids du véhicule. Et t'as des composants de frein qui sont assez impressionnants aussi. Oui, effectivement. Donc, on va voir ce que ça dit maintenant. On s'est fait serrer pas mal. Ben, serré, puis moi, il voulait me rentrer en face. Ah, question... Il m'a redressé vraiment. Ça. Question de sécurité, bien sûr, des systèmes qui sont imbriqués dans le véhicule qui essaient de te donner une position qui est plus apte en fonction du fait qu'il pourrait arriver un impact, par exemple. C'est ça. Mais bon, revenons au freinage. Trajectoire qui est rectiligne, ça, c'est bon. Facile à contrôler. Je sens l'ABS travailler dans la pédale également. Plongeon. Évidemment. Ben là, oui, le transfert de masse était substantiel. Oui, puis encore une fois, on a des suspensions pneumatiques qui permettent un certain transfert de poids, mais évidemment, ça déstabilise un peu le véhicule parce qu'on se sent carrément projeté vers l'avant. Mmh. La distance, par contre, on est à 35,5 mètres. Ça, c'est pour le poids du véhicule. Il faut le chapeau BMW parce que, sérieux, faire cette distance-là avec un véhicule de ce format-là et de ce poids-là, c'est impressionnant. Oui. Le poids, Luc-Olivier, est considérable de ce véhicule. Ça risque de nous nuire dans l'épreuve du slalom. Ça me fait peur. Ben, les lois de la physique sont là, quand même. Mais t'es dans un BMW dynamisme de conduite. Bon, la direction est précise. Pas le choix. Vraiment, c'est un véhicule qui est facile à contrôler. Mais évidemment, on a des mouvements de caisse qui sont prononcés. Hey, ça swing. Ça balotte, ça balotte. Ouais. Bon, d'un compte plus large, évidemment, c'est un peu plus difficile. Les pneus s'accrochent assez bien. On les entend chanter. Ben là, j'espère, à la largeur qu'ils ont. Oui, c'est ça.
Effectivement. Mais on sent vraiment qu'on atteint la limite du véhicule. Je donnais un peu d'accélérateur au dernier compte. J'ai senti le sous-virage est entré en scène. Donc, vraiment, on est à la limite du véhicule. Le poids n'aide pas. Non. Et malgré le fait qu'on a des 275 mm de large à l'avant pour les pneus, 315 à l'arrière, on est vraiment au maximum du véhicule. Non. Et il faut savoir que pour peut-être un peu plus de précision, il y a toujours la possibilité d'avoir les quatre roues directionnelles en option. Ah, 2 000 de plus, tu sais. Bon, c'est pas cher de même. Et si ça fait pas, bon, ben écoute, va te chercher un X5M. Ouais. Tu vas voir, lui, il va tenir le chemin. Mais il reste qu'il y a quand même une formule de compromis, là, parce qu'on a un véhicule qui est lourd à cause de la technologie hybride rechargeable. Et bien, on en paie le prix dans l'épreuve du slalom. C'est ça. La performance doit être au rendez-vous, même à l'évitement d'obstacles, parce qu'on a un véhicule BMW. Non, mais là, il y a un mot que tu n'arrêtes pas de nommer depuis le début. Poids, 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 poids. Bien là, on va l'avoir d'en face, le poids. Ouais. Oh! Et monsieur! Le carnage de cône, la roue qui barre. Et seigneur, pour vrai, là, c'est vraiment le poids notre ennemi, parce que j'ai beau braquer, parce que la direction me permet de le faire quand même, il n'y a pas de résistance dans la direction. J'espère. Je viens à bout vraiment de tourner assez bien, assez facilement, mais le transfert de poids est très important, ce qui fait que le véhicule glisse en direction de l'obstacle. Au deuxième braquage, glisse vers la ligne de cône, ce qui fait qu'on a frappé et l'obstacle et la ligne de cône. On est dans une BMW, l'incarnation automobile de la tenue de route, de l'agrément de conduite. Ça vient de foutre le camp, ça? Ouais, ça marche pas. Même si on a un véhicule qui est plus vert, hybride rechargeable, on doit avoir des performances de ce nom, qui respectent le nom BMW, et malheureusement, on ne les a pas. Fait que le 50E, c'est 50 échecs? Peut-être, oui. Dernier élément de sécurité de notre série de tests, le freinage automatique d'urgence. Quels sont les paramètres? Ben écoute, c'est pas compliqué, de 5 à 250 km/h. Donc, si jamais tu seras sur un autobahn en Allemagne, ben sache que tu seras en sécurité. Donc, on fait, nous, notre test à 60 km/h. Ce qui est suffisant. Et... Avertissement quand même assez tardif. Oui. Bon, dans l'instrumentation, dans l'affichage tête haute également, ça n'a pas pris de temps que le système de freinage est entré en fonction. Un freinage, bon, quand même soutenu. On est arrêté à une distance tout à fait acceptable de l'obstacle. Oui, oui, tout à fait. Fait que ça marche. Samuel, il y a un mot qui définit l'essai jusqu'à maintenant et c'est poids. Effectivement, ça nous a nuit tout au long des épreuves. Mais je tiens à rappeler quand même que dans les essais précédents qu'on a fait sur la piste, on a testé des véhicules plus gros, plus lourds qu'un BMW X5 et qui sont parvenus à nous donner une performance acceptable, entre autres à l'évitement d'obstacles. Ouais. Je pense à certains camions pleins de grandeur. Entre autres, il n'y a pas de raison donc qu'un BMW ne réussisse pas ces épreuves-là. Et maintenant, on s'en va sur la route. Tester le confort et l'efficacité de la motorisation électrique. Année modèle 2024 du BMW X5 dans sa version 50E. BMW n'efface pas tout, il ne recommence pas tout à zéro. Non, non. Mais revoit profondément les composants mécaniques de ce véhicule-là. Est-ce que ça transcende sur la route d'un point de vue d'agrément de conduite, de comportement général du véhicule? Comment ça roule? Bien, l'essentiel, c'est qu'on a plus de puissance électrique. On a un véhicule hybride rechargeable. On veut l'utiliser au maximum en électrique. C'est toujours ça qu'on veut dans un véhicule hybride rechargeable. On se dit, le moteur thermique est là pour dépanner ou quand on fait des plus longues routes. Mais si on est capable de faire le maximum en mode électrique, on sait ce qu'on veut. Le petit train-train quotidien. Exactement. Là, du lundi au vendredi à 5 heures, là, oui. Je peux-tu rouler toute ma semaine en électrique? Puis la balance, si je n'ai de besoin, j'aurai de l'essence. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la puissance électrique, on en a. Oui. On a un mode électrique qui est vraiment pertinent, qui fonctionne bien, qui donne la pleine course de l'accélérateur en mode électrique. Oui. Ce qui fait que j'accélère comme actuellement. Je mets le pied, j'avance. Le moteur thermique ne démarre jamais. C'est progressif, par contre. Oui, oui. C'est pas l'essence de BMW habituellement, où c'est un peu plus incisif. Mais quand même, on a moins de 200 chevaux électriques, là, quand ça. Même. On n'est pas dans un BMW iX. Si non. Tu veux toute la puissance, tu passes la coche au bout de l'accélérateur, puis le moteur thermique décolle, puis là, on avance. Et puis là, t'as l'inconvénient de la motorisation thermique. Il y a un délai.
encore une fois, ça démontre la notion de compromis de ce type de motorisation-là, lorsqu'on veut de la pédale. Oui, effectivement. Il y a vraiment une transition à faire entre le mode électrique et le mode thermique. Bon, l'électrique, c'est géré, mais il y a encore... Il reste quoi, 80-95 autres modes de conduite avec ce produit-là? Il y en a effectivement beaucoup. C'est un véhicule qu'on peut paramétrer selon ce qu'on veut. Donc, on a le mode hybride qui va gérer automatiquement la transition entre l'électrique et le thermique pour maximiser, si on veut, l'agrément au volant du véhicule. Ouais. Le mode sport qui va rabaisser la suspension, aiguiser les réflexes du véhicule. Et sinon, on a le mode de préservation de la charge. Ah, ça, on aime ça. Qui peut être intéressant, effectivement, parce qu'on roule avec le véhicule. Si on prend l'autoroute, par exemple, et on dit, garde, moi, je veux pas vider ma batterie, je veux m'en servir quand je vais arriver en ville plus tard. On met le mode préservation de la charge, puis on va pouvoir servir l'électrique une fois à destination. Puis là, une des raisons pour laquelle on veut des fois préserver, c'est qu'on n'a plus de mode charge, qu'on peut plus récupérer l'énergie pour remplir la batterie de nouveau, pour réembarquer en mode électrique. C'est ça, c'est un manque dans le 2024. Oui, bien, effectivement, on avait un mode charge, on pouvait recharger la batterie, puis honnêtement, c'était très efficace sur l'ancienne version, mais on ne l'a plus maintenant. Clairement, les gens à la maison se demandent, bon, là, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi l'autonomie électrique du X5? Le constructeur annonce 63 km. Ce qui est bon, quand même. Ce qui est respectable. Majoration. Nous, on est venu à bout d'avoir 67 km en mode entièrement électrique. 4 de plus, quand même. Évidemment, l'autonomie électrique peut être plus grande ou plus basse en fonction du circuit. Évidemment. Nous, on a utilisé le véhicule en mode électrique en ville, sur route secondaire et sur autoroute. Oui. Donc, on a essayé de faire une combinaison. On a une consommation électrique de 27,9 kWh au 100 km. Ça, c'est haut, mais écoute, là, toutes les motorisations hybrides rechargeables ont ce défaut-là. La consommation est très élevée. Est élevée, effectivement. Mais le plus intéressant, c'est qu'au terme de notre circuit de 140 km, on a eu une consommation globale d'essence, 4,7 litres au 100. Ça, c'est bon. On compte, bien sûr, l'utilisation électrique, mais bon, quand le moteur est parti, 4,7 globalement, ça demeure très bon. Et évidemment, la consommation va être plus basse si vous roulez le plus en électrique. Puis honnêtement, c'est ce qu'il faut faire avec un hybride rechargeable. Oui. Maintenant, il faut savoir que le BMW X5 xDrive 50e permet d'économiser 1 705 $, mais surtout 2,8 tonnes de CO2 à tous les 20 000 km par rapport à un véhicule à essence de même catégorie. Les pour, les contre. Du côté des points positifs, on commence avec l'autonomie électrique qui est améliorée, l'habitacle avant qui est réussi et bien sûr, mécanique et freins qui sont performants. Du côté des points négatifs maintenant, on a l'habitacle à l'arrière qui est plutôt décevant, délai à l'accélération évidemment et l'évitement d'obstacles qui est raté. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Luc-Olivier? On recommande ou pas? Bien, à la lumière du fait que le X5 de nouvelle génération a vraiment une progression fulgurante au niveau de sa fiabilité, ce qui est un fait nouveau pour le produit, que l'équilibre général quand même est là, oui, c'est un produit que RPM recommande.